Dios. Hola chiques. Il est actuellement 10h05. Je me suis levée en vérité vers 9h. Vu que c'est un week-end et pour une fois, c'est un slow week-end. So. J'ai eu un slow morning. Là tout de suite, je suis en train de me préparer parce que je vais aller au cinéma voir Spider-Man No Way Home. Trop hâte. J'ai plein de potes qui sont allés le voir en Belgique directement, genre le jour de la sortie. J'étais là genre, I want to go there. Du coup, là, j'ai vu qu'il y avait une séance à 10h30. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. Et go, j'y vais. Je fonce. Mais ouais, non. Voilà. En plus, je suis rentrée vers 1h. J'ai été dormir vers 2h, 2h30 parce que j'avais encore de l'énergie. Mon café de 3h30 hier, il est remonté. Et j'avais encore de l'énergie. Du coup, j'ai regardé un animé avant d'aller dormir. Regardez un épisode de Black Clover. Mais genre vers 5h du matin, je me suis réveillée parce que j'avais fait déjà deux cauchemars à cause de mon anxiété. Mon anxiété m'a réveillée genre à 5h du matin et j'arrivais plus à m'endormir. C'était horrible. So yeah, kind of had a little anxiety attack. But it's okay, we're gonna be fine. That's why I'm actually taking it really slow this morning. And I was like, you know what, like damn, I'm going to see Spider-Man. Sí o sí. Et después, je vais aller parce que mes parents m'ont fait commander entre guillemets des trucs pour qu'ils viennent chercher demain. Du coup, bah, je vais aller chercher, je vais récupérer après le film, je vais aller récupérer ce que je dois récupérer. Puis je vais faire un, je vais commencer à bosser sur mon travail. Puis il y a peut-être moyen que je vais aller cet après-midi. Donc voilà, voilà le plan. But yeah, it's a slow day. We'll take it slow because anxiety is kind of high today. Like not high high but it's there. Again, comme je me sens pas super waouh, j'ai mis un truc dans lequel je suis confortable et que j'aime bien. Ma jupe préférée, vous la connaissez, elle vient de H&M Korea. Je l'aime trop et ce pull que j'ai acheté à Milan pour me rappeler que j'étais à Milan pendant un mois toute seule. Mon souvenir, c'est très c'est un petit hoodie, une jupe, ce que je porte d'habitude, c'est très comforting. That's all we need. Guys, j'ai fini Spider-Man No Way Home. Putain, j'ai pleuré, j'ai rigolé, j'ai pas les mots, il était trop bien, allez le voir. Allez le voir. Comme j'ai toujours dit, moi je suis pas une grande fan de Marvel. J'ai pas vu tous les Marvel, loin de là. J'en ai vu quelques-uns par-ci par-là. Mais j'ai vu tous les Spider-Man chaque fois qu'ils sont sortis en avant-première. Quasiment. Depuis que je suis ado. Quand j'étais plus petite, bah, je les voyais au cinéma, pas forcément en avant-première. Mais je les ai tous vus des milliers de fois. C'est mon super-héros préféré. Allez voir ce film. Allez voir ce film, MDR. Rien que pour Tom Holland et Zendaya, vous devez aller voir ce film. Trop bien. Regardez mes yeux, genre. J'ai pleuré, j'ai ri, genre. À recoger tamal. Amor. Thank you.